Voilà, merci beaucoup. Ça me fait très très plaisir d'être là. C'est un colloque vraiment important parce que je trouve que l'action de l'Association de psychologie et de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, comme celle de l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent dont j'ai la responsabilité, la section française Sylvie Viau y est très active, ces deux associations ont la psychopathologie comme centre de leur problématique et ce n'est pas du luxe en ce moment. Alors je ne sais pas ce qui a été dit ce matin, mais moi j'ai mon petit aspect combattant, j'ai quand même envie d'en faire part, parce qu'on entend ici ou là que la psychopathologie est un concept démodé, ce n'est pas du tout mon impression. C'est vrai qu'en ce moment on est tiraillé entre deux pôles un peu diamétralement opposés, un pôle selon lequel on regarde les troubles mentaux des enfants et des adolescents comme strictement endogènes, neurodéveloppementales, parfois ce terme est vraiment employé de manière presque synonyme de neurologique, d'endogène, et un autre pôle tout à fait différent où tout viendrait du dehors, exogène, sur le modèle du traumatisme. La psychopathologie, elle fait ce pari d'essayer de travailler à l'interface des facteurs internes et des facteurs externes. Le développement normal de l'enfant se joue vraiment à l'entrecroisement, à l'interface des facteurs internes et des facteurs externes. Les facteurs internes, c'est la part personnelle de l'enfant. Aussi psychanalyste soit-on, c'est évident que l'enfant arrive avec un équipement personnel, neurobiologique, génétique, cognitif, etc. Mais il va rencontrer un environnement, l'environnement dans toutes ses composantes, et dans cet environnement, qu'on le veuille ou non, il y a la rencontre de l'enfant avec le travail psychique des personnes, des adultes, qui vont s'occuper de lui, qui vont prendre soin de lui, qu'il s'agisse des parents ou des professionnels. Voilà, donc la psychopathologie, elle essaye de nouer ces facteurs internes et ces facteurs externes. C'est évidemment difficile, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus passionnant. Et j'ajoute un dernier mot là-dessus, c'est que la psychopathologie, bien entendu, n'est pas que psychanalytique. C'est historiquement peut-être la plus ancienne, mais il y a une psychopathologie développementale dont David Cohen est un des grands représentants. Il y a une psychopathologie cognitive, il y a une psychopathologie systémique ou familiale. Bref, la psychopathologie est un concept épistémologiquement encore extrêmement moderne, un trésor très précieux qu'on doit tous ensemble essayer de faire fructifier. Voilà, alors avec Georges Cognet, aujourd'hui, on a décidé. Alors, ce n'est pas aujourd'hui une intervention clinique que je vais faire. Bon, on vient d'en avoir une, donc ça varie un petit peu les plaisirs. Là, on s'était décidé pour une réflexion sur les concepts d'émotion, d'affect ou de structure dépressive, qui vont poser, bien sûr, on va le voir, la question du lien. Et la fonction de message. Est-ce que la symptomatologie dépressive a une fonction de message entre l'enfant ? Alors, je penserai plus au très jeune enfant et à l'enfant, mais peut-être mes réflexions sont valables aussi pour la dépression en général. Mais enfin, disons plutôt sur la dépression de l'enfant. Est-ce que la symptomatologie dépressive a une fonction messagère ? Voilà. Alors moi, le lien, ça me passionne. Il y a presque que ça qui me passionne, d'ailleurs. Parce que le lien, c'est central, absolument. Moi, j'ai été. L'essentiel de ce que je sais m'a été transmis par Michel Soulet, principalement, par Serge Lebovici aussi, mais Michel Soulet surtout, qui travaillait à Saint-Vincent-de-Paul. Et donc, progressivement, je me suis centré sur. Un peu dans sa mouvance, probablement, centré sur trois problématiques essentielles: le développement précoce du bébé, la question de l'autisme et des troubles envahissants du développement, et puis, en référence à Michel Soulet, la question de l'adoption. Et bien sûr, ces trois domaines sont différents, mais enfin, heureusement pour moi, il y a quand même une certaine cohérence. Et la cohérence, c'est le lien. Parce que le développement précoce du bébé, l'instauration de son appareil psychique, je me le représente de plus en plus comme la mise en place des liens primitifs que l'enfant doit organiser avec son environnement et la manière dont il va se les représenter mentalement, les liens avec la mère, le père, les adultes, les autres enfants, enfin, les différents partenaires relationnels. L'autisme, c'est une situation terrible dans laquelle les enfants échouent totalement ou partiellement à mettre en place ces liens primitifs. Et l'adoption est une situation particulière où les enfants vont avoir à établir ces liens et à se les représenter, à établir ces liens avec des adultes qui ne les ont pas fabriqués, mais qui vont se positionner pour eux comme des parents, leurs parents, pour la vie durant. Donc le lien entre ces trois problématiques, le bébé, l'autisme et l'adoption, c'est le lien, et les liens
cet altruisme ne peuvent évidemment se mettre en place que dans le lien et par le lien. Voilà, alors la première chose que je voudrais essayer de pointer, c'est que quand on parle vite, et, peu importe d'ailleurs, mais on emploie affect et émotion de manière un petit peu interchangeable, on peut le faire, mais c'est mieux si on a en tête quand même des différences concernant ces deux concepts. Hein, d'autant plus qu'en français et probablement dans toutes les langues, quand il y a deux mots différents, c'est qu'il y a aussi deux idées différentes, quelque part. Hein. Les synonymes absolus n'existent pas. Voilà, alors, à propos de cette question donc des différences éventuelles entre la notion d'affect et d'émotion, je vais commencer par lire une citation de Didier Houzel, qui a rédigé l'item émotion dans le Dictionnaire international de la psychanalyse. Et il l'a rédigé de manière extrêmement instructive. Alors c'est une situation peut-être un petit peu longue, mais vraiment je vais la lire lentement. Elle est très très instructive. Je le cite. Le mot émotion est issu du latin emovere, émouvoir vers le dehors, mettre en mouvement. Il a d'abord eu le sens, le mot émotion, de mettre en mouvement physiquement, avant de prendre le sens figuré d'une mise en mouvement psychique. Ce terme est peu utilisé en psychanalyse, où on lui préfère celui d'affect, issu du mot allemand affect, c'est la même chose mais avec un K au lieu du C. Cependant, je poursuis la citation, Freud a utilisé, dans un texte écrit en français en 1895, l'expression « état émotif » pour désigner ce qui sera traduit dans les éditions allemandes par affect. C'est dans les développements théoriques du courant kleinien de la psychanalyse, donc après les années 50, que l'on a vu réapparaître le terme d'émotion, et cela pour des raisons fondamentales qu'il importe d'expliciter. La métapsychologie freudienne est centrée sur l'étude de l'appareil psychique, conçue sinon comme une entité isolée, tout au moins comme une entité isolable. Dans le modèle freudien, l'appareil est mis en tension par les pulsions, dont on peut observer deux aspects, l'affect et la représentation. L'affect correspond aux aspects quantitatifs, la représentation correspond aux aspects qualitatifs des représentants de la pulsion. Les affects positifs accompagnent la satisfaction pulsionnelle, les affects négatifs accompagnent la mise en tension de l'appareil psychique selon le principe de plaisir-déplaisir. L'objet de la satisfaction qui permet la décharge pulsionnelle est en fait contingent. Daniel Videlocher souligne que l'affect se réfère à des fonctions de régulation interne de l'appareil psychique, décharge pulsionnelle, signal destiné à informer l'appareil psychique, comme Freud l'a suggéré dans sa seconde théorie de l'angoisse, alors que l'émotion, c'est là le point important, ajoute une troisième référence, celle d'une communication avec l'objet externe, une modalité d'expression destinée à informer autrui d'une situation particulière chargée de valeur pour le sujet. L'émotion comme message, l'affect comme indice. Il n'est donc pas surprenant que ce soit les théories qui donnent la plus grande importance à la relation d'objet qui aient redonné une place centrale au concept d'émotion. Il comporte en effet, par rapport à celui d'affect, des degrés de complexité supplémentaires, d'une part parce qu'il est un moyen d'échange, de communication élaboré entre soi et autrui, grâce à ses expressions comportementales et notamment faciales, très étudiées par les spécialistes du développement et des fonctions cognitives. D'autre part, parce qu'il renvoie à des aspects qualitatifs nuancés et pas seulement à des aspects quantitatifs assortis d'une valence positive ou négative. La citation est bientôt finie. Mélanie Klein a insisté sur le caractère extrême des émotions du bébé au début de son existence extra-utérine, liée aux relations d'amour et de haine pour l'objet, dans ce qu'elle a appelé la position schizoparanoïde. Dans un second temps, les émotions deviennent plus nuancées, la haine se teinte de culpabilité, l'amour d'ambivalence lorsque l'enfant accède à la position dépressive. Bion a donné au concept d'émotion une place plus essentielle encore dans une description du monde intrapsychique comme un monde de relations entre deux objets internes ou intériorisés. Pour cet auteur, les liens entre les objets internes sont des liens émotionnels, de la même façon que les liens entre les sujets et leurs objets externes sont de nature émotionnelle.
Et il choisit trois types de liens émotionnels, ceux qui correspondent aux relations d'amour, les liens A pour amour ou L, love, ceux qui correspondent aux liens de haine, H, et ceux qui correspondent aux liens de connaissance, les liens C. Les deux premiers, amour et haine, sont des liens passionnels, instables et correspondant à des clivages. Le dernier, le lien C, est le lien psychanalytique par excellence et il a l'avantage de la stabilité. Mais il s'agit bien d'un lien émotionnel, en ce sens qu'il correspond à l'émotion liée à l'incertitude et à la tension qu'il faut supporter devant l'inconnu en attente d'un sens. Voilà pour cette citation qui me paraît importante, donc j'ai voulu la lire en entier, et pour la commenter un petit peu maintenant et en faire ressortir pour la discussion l'essentiel. En fait, du point de vue psychanalytique, on pourrait dire, je schématise peut-être un petit peu trop, mais que les affects, le concept d'affect renvoie à la première théorie des pulsions, celle que Freud et ses collègues ont développée pendant la première partie du XXe siècle, alors que la notion d'émotion renvoie beaucoup plus à la théorie des relations d'objets qui a été développée par l'école kleinienne et post-kleinienne dans la deuxième partie du XXe siècle. L'affect est un indice de plaisir ou de déplaisir. L'émotion est un signe qui a une fonction de communication avec autrui. Et il faut remarquer d'ailleurs que l'évolution de la psychanalyse, c'est assez intéressant de la décrire en deux grandes phases pendant le XXe siècle. Je trouve que ça rassemble des idées. La première partie du XXe siècle, c'est la théorie des pulsions, c'est les travaux inauguraux et fondateurs de Freud, c'est la théorie des pulsions. La psychanalyse est très centrée sur les orifices, la bouche, l'anus, les orifices sexuels, et on s'intéresse à ce moment-là beaucoup, enfin Freud, au traumatisme par excès d'excitation, par débordement, par intrusion, par séduction, par abus sexuel. La deuxième partie du XXe siècle voit émerger la théorie des relations d'objets, donc je le disais tout à l'heure avec l'école kleinienne et post-kleinienne. On s'intéresse moins aux orifices qu'aux enveloppes, avec tous les travaux d'Esther Bic sur la peau, en France Didier Anzieux, bien sûr, le moi-peau, les enveloppes psychiques, les travaux de Geneviève Hague, les travaux de Didier Houzel, justement. Et on s'intéresse à ce moment-là à un nouveau type de traumatisme, les traumatismes en creux, non pas par excès d'excitation, mais par défaut d'excitation, ratage, faillite du holding initial, de la contenance primordiale. Et apparaît là toute la problématique de la clinique du vide, qui est si importante pour les bébés dont Sylvie vient de parler, les carences qualitatives où l'objet est présent, mais où malgré tout il n'assure pas ses fonctions de parexcitation ni ses fonctions de stimulation suffisantes. Voilà, alors on peut vraiment dire que l'affect est du côté de la première partie de cette histoire et l'émotion du côté de la deuxième partie de cette histoire. Et puis un dernier mot sur la distinction entre affect et émotion, c'est que plus le temps a passé, et peut-être plus la psychiatrie, la psychopathologie du développement a pris son essor, plus on voit la notion d'affect et d'émotion prendre une dimension dynamique et communicative importante. Chez Freud, si vous en souvenez, l'affect, c'est quelque chose d'assez statique. Quand il y a une grande tension, il y a du déplaisir. Et quand il y a une décharge, il y a du plaisir. À l'époque de Sade, on parlait déjà de plaisir de décharge dans la relation sexuelle. C'est une vision intéressante, mais c'est vrai qu'elle est quelque part un petit peu statique et un petit peu simple. La tension, c'est le plaisir. La détente, la tension, c'est le déplaisir. La détente, c'est le plaisir. C'est pas tout à fait fou, mais il y a des gens astucieux qui ont dit « Mais ça marche pas votre truc avec les films de suspense ?» Parce que le plaisir dans le suspense, c'est la montée douce de la tension. L'énigme avance, le problème devient de plus en plus crucial. Mais au fond, quand le roman policier arrive à sa fin et qu'on découvre l'assassin, il y a une détente. Mais est-ce qu'il y a vraiment plaisir? Le plaisir, c'est plutôt la montée en tension. Et intervient à ce moment-là la question de la rapidité de la tension ou la rapidité de la détente. Alors, certains esprits compliqués ont dit non, non, non.
qui voulait s'accrocher à une vision freudienne première, ont dit non, même pendant les films à suspense, le plaisir, c'est quand même la détente, parce que pendant le suspense, en fait, c'est l'anticipation de la détente qui fait déjà plaisir. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà regardé un film policier comme ça, ça ne me parle pas tellement. D'ailleurs, le contre-exemple, c'est Columbo. Hein? Puisque Columbo, en général, on sait déjà qui est l'assassin et que ça n'empêche pas le plaisir de la montée douce de la tension de l'enquête. Donc, et puis une autre confirmation, c'est le plaisir sexuel. Alors là, chacun a sa façon, hein. Et chacun ses goûts, mais enfin, il est couramment dit quand même que les préliminaires sont déjà une source de plaisir parce que c'est la montée douce de la tension qui peut être source de plaisir. La tension n'est pas que source de déplaisir, tout dépend si elle monte vite ou pas vite. Et l'orgasme, c'est évidemment la détente. Voilà, donc il y a une dimension dynamique qui s'est beaucoup développée après les travaux Princeps de Freud. Et puis, ce mouvement-là de faire de l'affect, enfin plutôt de l'émotion, quelque chose qui a vraiment une fonction de communication et, une fonction, et des aspects dynamiques comme ceux que je viens de décrire, trouve absolument leur expression la plus affinée chez Stern. Chez Stern, chez les bébés, les affects de vitalité ne parlent que de ça. Hein, les affects de vitalité, il disait parfois d'ailleurs, c'est un contour dynamique, c'est une intrigue dynamique. La question du plaisir et du déplaisir dépend beaucoup de la vitesse de la montée en tension et de la vitesse de la détente, de la baisse de tension. Hein. Les interactions mère-bébé, tout ce qu'il a appelé les représentations d'interactions généralisées, tournent autour de cette question des scénarios interactifs, dont effectivement l'intensité et la vitesse de changement d'intensité sont au centre du problème. Je ne reviens pas sur les travaux de Bion que Didier Houzel a évoqués les quelques lignes que je vous ai lues. Voilà, donc retenons peut-être que l'affect renvoie plutôt à la théorie des pulsions et à la vision freudienne, les émotions renvoient plutôt à la théorie des relations d'objets et à la vision clanienne et post-clanienne, les affects sont plutôt un indice de plaisir sans grande vocation communicative, alors que les émotions sont vraiment un message et éventuellement un signe, j'y reviendrai. Pour détailler encore un tout petit peu ce que je dis, parce que forcément, dans un grand public, chacun vient d'horizons différents. Je voudrais parler d'un petit gradient qui va de l'indice au signe. L'indice, l'affect est du côté de l'indice, l'émotion est du côté du signe. L'indice pur, c'est la neige. La neige n'a aucune intention communicative, ni consciente, ni inconsciente. Enfin, sauf si vous êtes mystique, mais... La neige n'a pas d'intention communicative, c'est un indice. L'observateur qui voit tomber la neige, lui, peut en déduire qu'il fait froid. Mais la neige n'a pas l'intention de dire qu'il fait froid à qui que ce soit. C'est l'indice pur, ça. Le sourire aux anges des bébés est considéré comme un indice. Au début, les sourires des bébés n'ont peut-être pas d'adresse. Ils sont dirigés vers personne. Mais si on voit un bébé de quelques jours sourire, on peut se dire qu'il a une sensation de bien-être, de quiétude, de satiété. Bon. Les indices. À l'autre bout absolu, il y a les signes, le langage, qui ont une vocation communicative, consciente, intense. C'est ce qui permet d'organiser des colloques. On va se parler pour se dire quelque chose, en principe. Voilà. Mais entre l'indice pur et le signe pur, il y a toute une série de petites étapes très intéressantes. Du côté de l'indice, il y a par exemple les indices des crimes, des enquêtes policières dont je viens de parler tout à l'heure. Je parle peut-être pas des enquêtes dans le domaine du terrorisme, encore que, vous allez voir, mais les enquêtes plutôt d'Edgar Poe au XIXe siècle. Les criminels d'Edgar Poe laissent traîner des indices. Et c'est comme ça qu'on les retrouve, comme s'ils avaient un surmoi qui
alors même qu'ils sont en train de faire quelque chose, un délit ou un crime, quelque part, ils ont aussi envie de se faire prendre. L'œuvre d'Edgar Poe tourne autour de cette culpabilité inconsciente, où l'indice n'a pas d'intention communicative consciente, mais une petite intention communicative inconsciente, comme l'enfant qui va chercher des confitures en haut du placard et qui s'arrange pour tomber de l'échelle, parce qu'il se punit lui-même de faire quelque chose qu'il sait interdit. Voilà. Donc, la neige, zéro intention communicative. L'indice d'Edgar Poe, déjà une petite intention communicative inconsciente. Je retourne du côté des signes. J'ai dit le langage, c'est la communication, l'intention communicative consciente maximum. Mais juste avant le langage, enfin dans le langage, il y a les lapsus. Les lapsus, ce sont des signes aussi, c'est le langage. Mais là, il y a une intention communicative inconsciente. On dit un lapsus révélateur. Tous les lapsus sont révélateurs parce que quelque chose se dit qu'on ne voulait pas dire, mais qui se dit quand même alors qu'on voulait dire autre chose. Et on a une intention communicative consciente et puis tout d'un coup, il vient s'y ajouter une intention communicative inconsciente. Les lapsus, c'est toute la psychopathologie de la vie quotidienne. Et puis entre les signes et les indices, au milieu, il y a les symptômes. Et là, c'est très intéressant aussi, parce qu'en médecine, on nous apprend à toujours, à propos des symptômes, à parler des signes de la maladie. C'est vite dit, ça. C'est très vite dit. Symptômes, d'accord, mais signes. Quelqu'un qui a une hépatomégalie, un gros foie, c'est beaucoup plus un indice qu'un signe. Le foie n'a pas plus d'intention communicative que la neige. Mais il se trouve que s'il y a un observateur, il va pouvoir en déduire ceci ou cela comme pathologie du patient. Donc les symptômes de la maladie physique sont beaucoup plus du côté des indices que du côté des signes. En revanche, les symptômes des maladies psychiatriques sont beaucoup plus du côté des signes et notamment des lapsus et de tous ces comportements qui ont une signification consciente ou inconsciente. Et puis au milieu, alors vraiment au milieu de tout ce petit gradient que je vous ai décrit, il y a les symptômes de la pathologie psychosomatique qui, selon les cas, sont du côté des indices et puis qui, après un certain temps d'élaboration, de prise en charge, de traitement, peuvent devenir des signes. C'est ce qu'on appelle essayer de névrotiser la pathologie psychosomatique. Voilà, donc moi, je redis que l'affect est du côté de l'indice, historiquement parlant, et que l'émotion est plutôt du côté du signe avec une fonction communicative et messagère. Alors on peut ajouter à cette discussion une petite réflexion courte sur la notion de structure dépressive. Parce qu'avec les enfants, d'ailleurs Sylvie Viau vient de le rappeler là à propos des bébés, c'est difficile de parler de structure. Ils sont en pleine formation, ils ne sont pas simplement en évolution, ils sont en pleine formation, donc à la rigueur, on pourrait parler de structuration. Mais structure, ça évoque un petit peu trop quelque chose de figé, de fixe, de statique. Sauf si on parle de structure dynamique, mais j'y reviendrai dans un instant. Et il y a aussi un autre psychanalyste qui a parlé de la théorie des structures et de la théorie des états, hein, parce qu'on dit parfois état dépressif. Et puis, quand on parle vite, on dit affect dépressif, émotion dépressive, état dépressif, structure dépressive, on se comprend. Mais peut-être c'est intéressant de savoir, à préciser qu'est-ce qu'on met derrière les mots. Et là, je vais refaire une autre citation, beaucoup, beaucoup plus courte, rassurez-vous, d'André Green, qui s'est posé la question de la structure ou de l'état. Et je le cite là aussi, une dizaine de lignes. La tendance générale actuelle de la psychanalyse, dit-il, est résolument ontogénétique. Son tort est peut-être de ne l'être pas assez. Freud l'était davantage, en ne se laissant pas paralyser par une conception linéaire du temps. C'est l'après-coup et la circularité. Mais il était sans cesse renvoyé d'une théorie des états qui n'éliminait pas d'elle la part descriptive de forme clinique à une théorie des structures qui créait des modèles, sinon comme des conventions pures, du moins comme des développements de ces états jusqu'aux limites où ils révèlent leurs fonctions et leur sens dans les termes les plus abstraits. Et plus loin dans ce texte, il ajoute « À bien y réfléchir, on s'aperçoit que la théorie des états qui a engendré le monstre hybride de la phénoménologie psychanalytique, ça il n'aimait pas Green, est en dernier ressort une théorie des manifestations du sujet,
mais pas une théorie du sujet. Il ne faut pas croire que nous récusons entièrement tout ce qui, dans la psychanalyse, relève de la théorie des états. Elle représente un premier niveau de l'épistémologie psychanalytique et les psychanalystes ne peuvent éviter, dans leur communication avec leurs analysants ou avec d'autres analystes, de s'exprimer ainsi. Il désire, en fait, ceci ou cela. Il dit, au fond, telle ou telle chose. Il revit à nouveau ceci ou cela. Mais ce palier inévitable de la description ne peut être tenu pour le degré d'organisation qui rend compte du processus de l'analyse. Voilà, là, je trouve que ça attire l'attention sur le fait que devant un bébé, un enfant ou un adolescent dépressif, on peut dire, effectivement, il nous montre tel ou tel signe. Là, Sylvie, dans la partie de la communication que j'ai vue, a fait toute une recension de signes de l'enfant et du bébé. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette organisation symptomatique? Est-ce qu'il y a une véritable structure dépressive? Et la question est compliquée et on peut continuer à se la poser. Alors, en fait, une façon de résoudre cette apparente difficulté, c'est de dire que sans doute chez l'enfant, on ne peut pas parler de structure statique. Le structuralisme est derrière nous, mais peut-être qu'on peut parler de structure dynamique. Et c'est très simple de comprendre ce qu'on met derrière ce mot-là. Par exemple, c'est étonnant, mais je ne sais plus si c'est en 15 jours, en un mois ou en deux mois, mais ça ne change rien au fait. Au bout de 15 jours, un mois ou deux mois, toutes nos cellules ont changé. Tout notre eau a été remplacée. Tout notre sang a été refait. Et pourtant, c'est toujours nous. Il y a donc bien quelque part une structure dynamique qui se maintient quelque part. Tout a changé. Il y a quelque chose quand même qui dure. Et un autre exemple plus simple que prend souvent Didier Houzel, c'est la question des tornades. Hein, les tornades, ces espèces d'entonnoirs qui tournent comme ça, ils se déplacent à vive allure. Ben, il change tout le temps, mais c'est toujours la même tornade. La notion de structure dynamique est assez intéressante. Et peut-être que chez l'enfant, ou plutôt dans le développement psychique de l'enfant, enfin du sujet, ce qui est intéressant, c'est pas forcément l'état schizoparanoïde, la position ou la position dépressive dont je parlais tout à l'heure à propos de Mélanie Klein, c'est peut-être l'idée que chaque enfant et chacun d'entre nous, on a une façon, un style dynamique d'osciller en permanence entre la position schizoparanoïde et la position dépressive. Chacun son style, chacun sa rapidité, chacun sa façon. L'état n'est pas fixe. Mais le style d'oscillation entre les deux positions a peut-être quelque chose qui se maintient. De ce fait, ce qui serait structural à propos de la dépression chez les enfants, ce ne serait pas la dépression, mais c'est la dépressivité. La dépressivité pourrait être structurale, alors que la dépression est plutôt du côté des états stables qui n'existent pas chez les enfants. Voilà, alors pour donner un peu de corps à tout ça, eh bien, ce qu'on peut se demander, c'est si... Alors, Sylvie a rappelé qu'on parlait d'abord des dépressions du nourrisson, puis du bébé, etc., de la dépression de l'enfant. Est-ce qu'on doit parler de dépression de l'enfant ou est-ce qu'on doit parler de dépression du lien? D'où d'ailleurs l'intérêt du 0 to 3. J'en reparle, j'en dirai tout à l'heure un petit mot. En effet, savoir si c'est... Dans certaines configurations carentielles, par exemple, dans les carences qualitatives ou dans les carences quantitatives, bien entendu, on peut étudier la présence-absence des parents ou le fonctionnement des parents, on peut étudier le fonctionnement de l'enfant, mais en réalité, quelle est la cible de la psychiatrie précoce? Est-ce que c'est l'enfant? Est-ce que c'est les parents? Ou est-ce que c'est le lien? Et peut-être qu'il faut qu'on approfondisse la question de dépression du lien, d'autant plus que une dépression du bébé peut avoir une fonction et peut avoir un sens. Et c'est pas pareil la fonction et le sens d'une dépression du bébé, c'est-à-dire la fonction et le sens d'une émotion dépressive. Quand on pense au travail de Green sur la mère morte ou aux travaux de Jacqueline Lanouzière à l'époque aussi, elle a bien montré comment un enfant peut être thérapeute de sa mère et par sa dépression.
C'est arrivé à Freud lui-même. Freud était le premier de plusieurs, d'une fratrie de plusieurs enfants, de 6 enfants. Son frère Julius est mort quand Freud avait 18 mois. Et Freud a probablement tenté de réanimer sa mère. C'est l'enfant thérapeute. Hein. Nos vocations de thérapeute se repèrent à l'adolescence, mais probablement s'enracinent dans notre vie beaucoup plus tôt. Voilà, et alors vous me direz à juste titre que tous les enfants de mères déprimées ne deviennent pas Freud. Ça, c'est vrai aussi. Hein. Certains s'en réjouiront d'ailleurs en ce moment, d'autres moins. Enfin, en tout cas, la dépression d'un bébé peut avoir une fonction de réanimation ou de défense par rapport à la mère dépressive. Hein. Dans son article sur la mère morte, André Green montre bien que être déprimé. Pour un bébé de mère déprimé, je mets de côté tous les tiers, parce que, évidemment, la question des tiers est énorme. Hein. C'est les tiers qui doivent protéger le bébé. Il n'y a pas de donc. Hein. En aucun cas, on ne peut dire la mère est déprimée, donc le bébé va être déprimé. Il y a toujours des tiers qui interviennent et qui protègent, en principe. Et si un bébé, en face d'une mère déprimée, se déprime, j'en profite pour dire que c'est sans doute l'absence des tiers protecteurs qui est à prendre en compte aussi, et qu'aujourd'hui, en 2017, c'est très très difficile de savoir, quand un bébé souffre d'une psychopathologie parentale, de savoir s'il souffre directement de la psychopathologie parentale ou s'il souffre de l'absence des tiers qui auraient pu ou qui auraient dû le protéger. Parce que même quand la mère est en pleine forme, s'il n'y a pas de tiers, c'est quand même un problème pour le bébé. Encore plus si elle est en difficulté. Voilà, mais donc en tout cas, dans son article sur la mère morte, André Green présente différents mécanismes de défense que le bébé peut mettre en œuvre pour se protéger de la dépression maternelle. Et parmi ces mécanismes, il y a le fait de se déprimer lui-même en miroir. Hein. C'est-à-dire, quand la mère s'éloigne, physiquement ou psychiquement, quand le bébé n'arrive plus à nouer une interaction comme avant avec elle, le dernier moyen qu'il peut encore avoir de l'avoir avec lui, c'est d'être comme elle. Hein ? Comme les adolescents qui ont un chagrin d'amour et qui vont fumer les mêmes cigarettes que celui ou celle qui n'est plus là. Être comme quand on ne peut plus avoir l'autre dans la relation. Voilà, donc les dépressions du bébé, les dépressions des enfants, les dépressions de tout le monde, peut-être, peuvent avoir une fonction. Mais à ce moment-là, on est obligé de penser en termes d'émotion, beaucoup plus qu'en termes d'affect. Et puis, les dépressions des uns et des autres peuvent avoir un sens aussi, un sens qui ne se dégagera souvent que dans l'après-coup, dans le travail à distance, dans l'élaboration. Par exemple, une dépression d'un enfant, plus tard, rétrospectivement, pourra renvoyer à la notion d'une mère, d'un objet décevant. Hein, comme l'a bien montré René Roussillon dans ses travaux. Certains enfants se dépriment quand l'environnement ne leur renvoie plus suffisamment d'informations sur eux-mêmes. Je cite souvent cette phrase d'André Breton à propos de l'amour fou. Dans son livre, L'amour fou, pour définir l'amour fou, il a cette très très jolie phrase, ça marche pour les hommes comme pour les femmes, hein, qui dit « Je m'étais perdu à moi-même ». Et tu es venu me donner de mes nouvelles. C'est assez beau, ça. Voilà, pour les tout-petits, ça marche. Je ne me suis pas encore trouvé, mais déjà tu viens me donner de mes nouvelles dans toutes les fonctions spéculaires des interactions précoces. Et si la mère, ou si le père, ou si la famille, ou si l'environnement n'est plus suffisamment réfléchissant, alors le bébé n'arrive pas à construire ses assises narcissiques. Mais le sens de sa dépression ne pourra s'éclairer, si je puis dire, que dans l'après-coup. La fonction était peut-être d'abord une fonction de réanimation maternelle ou parentale, et le sens de sa dépression ne s'éclaira que dans l'après-coup. Évidemment, on pourra aussi penser à toutes à l'attachement évitant. L'attachement évitant fonctionne un petit peu de la manière dont je viens de dire. Voilà, alors je terminerai en disant que tout ça, ça montre bien l'intérêt de la classification 0 to 3 qui vient d'être évoquée, et maintenant 0 to 5, parce que c'est une classification, c'est dommage qu'elle n'ait pas pu être intégrée au DSM-5, mais c'est une classification qui attire l'attention, c'est difficile, mais c'est toute la difficulté de la clinique avec les tout-petits. Il faut avoir un œil sur le bébé, c'est vrai, il faut avoir un œil sur l'adulte, le caregiver qui en prend soin, c'est vrai, mais il faut aussi avoir un troisième œil, si je puis dire, sur le lien. Et cette dépression du lien, elle est centrale dans tout ça. Si on parle en termes de lien, je crois qu'il faut beaucoup plus parler en termes d'émotions dépressives à valeur messagère et de structure de la dépressivité plus que de la dépression elle-même.
Voilà ce qui ouvre sur la nécessité, du point de vue psychanalytique, de mettre en place une troisième topique. Les choses commencent, mais c'est très compliqué, parce que parler du bébé, le bébé n'existe pas sans son environnement, Winnicott nous l'a appris, tout le monde le sait, mais la métapsychologie, elle a été faite pour un individu différencié, et en se centrant sur l'intrapsychique. Alors si on veut, le bébé ne nous impose aucun renoncement du point de vue psychanalytique. On peut très bien garder la théorie des pulsions, on peut très bien garder la théorie des taillages, on doit garder la théorie de l'après-coup, même si on la modifie un petit peu. Mais la question, c'est le point de vue topique. Comment on se sert de la topique freudienne pour ne parler pas seulement du bébé en tant que tel, mais du bébé dans ses relations dyadiques et triadiques? C'est très compliqué parce que le terme de topique intersubjective ne convient pas. Christophe Dejour, Bernard Brusset ont déjà commencé à ouvrir ce chemin. La topique du lien nous est indispensable. Et c'est la seule, d'ailleurs, qui permettra de réfléchir à des causalités mixtes qui ne soient pas ou endogènes ou exogènes, mais peut-être un jour des causalités épigénétiques qui redonneront toute leur place, d'ailleurs, au fonctionnement de l'environnement. Voilà, mon dernier mot, ce sera pour dire que tous ceux qui s'intéressent aux enfants, ben, j'imagine que c'est tout le monde ici, tous ceux qui s'intéressent aux enfants, on doit vraiment réfléchir à l'enfant qu'on a été. Et en disant ça, je vous assure que je ne dis pas que chacun d'entre nous doit faire une analyse 3 fois par semaine pendant 15 ans. C'est pas du tout ma proposition. Mais il faut réfléchir à l'enfant qu'on a été. Parce que l'enfant qu'on a été vraiment, bon, il est couvert par l'amnésie infantile, nos parents nous racontent des choses, c'est plus ou moins amusant, mais c'est filtré par la subjectivité de ceux qu'ils racontent. L'enfant qu'on aurait aimé être, c'est parfait, il tire les choses du côté du bon, du beau, de l'idéalisé. Celui qui nous intéresse vraiment, c'est l'enfant qui nous questionne vraiment, c'est l'enfant que l'on craint d'avoir été. Parce que chacun, on peut penser qu'on a été, il y a mille façons de construire dans sa tête un enfant redouté, un enfant mal désiré, que ce soit vrai ou que ce soit faux, en termes de réalité interne. Un enfant, chacun peut penser qu'il a été un enfant mal désiré, pas désiré, décevant, disharmonieux, agité, agressif, gênant, etc., etc., etc. Mais parmi les images de l'enfant qu'on craint d'avoir été, on peut chacun imaginer, à tort ou à raison, avoir été un enfant dépressif. C'est comme ça que je boucle la boucle. Parce que cet enfant que l'on craint d'avoir été, c'est celui qui nous fait choisir les vocations qu'on a choisies. Parce qu'on se dit naïvement, ben, je vais aller protéger les autres enfants, les enfants des autres, de ce que je pense, moi, avoir vécu de difficile. Mais si on fait comme ça, c'est cet enfant-là aussi qui va nous gêner pour vraiment écouter l'enfant avec ses problèmes à lui. Si on est tout le temps en train de projeter nos problématiques, nos solutions, nos impasses, pendant ce temps-là, on ne laisse pas de place à l'enfant dont on a la charge pour s'exprimer dans son authenticité personnelle. Alors si l'enfant qu'on craint d'avoir été est un enfant dépressif, vous voyez comme ça peut gêner dans le contre-transfert pour écouter l'éventuelle véritable dépression de cet enfant-là. Parce que si on ressent un enfant comme dépressif, est-ce que c'est cet enfant-là qui est dépressif ou est-ce que c'est l'enfant qu'on craint d'avoir été qui fait encore parler de lui ? Voilà, je vais m'arrêter là-dessus et je vous remercie beaucoup pour votre attention.